Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour accueillir un nouvel entrant au sein de notre maison. Donc on vous demandera de l'accueillir avec bienveillance afin qu'il se sente ici comme chez lui. Bonjour à tous, je m'appelle Dardeville. Attends, excuse-moi, parce que tu parles au mur là. Ils sont de l'autre côté. Merde. Depuis une petite dizaine d'années, les super-héros sont utilisés de manière outrancière, que ce soit à la télé ou au cinéma, et du coup, on peut clairement parler d'usure psychologique. J'ai vu des papillons. La maison est organisée en étages, c'est-à-dire que plus les patients sont élevés, plus les pathologies sont difficiles. Qu'est-ce qui est le plus humiliant pour vous? Voir ton corps qui fonctionne plus. Tiens, regarde. Ouais, voilà, putain. Classique. Encore une paire de pompes de foutu, putain. J'ai fait Captain America, hein. J'ai fait les Avengers, hein. Après, j'ai fait Captain America 2. Le 2. Faut dire la vérité, hein, les vrais rostas, c'est les mecs. Nous, juste parce qu'on est des nanas, bah, on a beau avoir des super pouvoirs de dingue, tout le monde s'en fout. Hein, on apparaît quoi, 10 minutes à tout péter, et encore, pour voir nos gros seins. Et moi, j'en ai des petits, donc. Là, j'ai fait le Captain America, le 3, avec Spider-Man dedans, je savais pas pourquoi. Il était là. Non, mais même là, hein, franchement, je suis sûre que vous vous en foutez, là, de ce que je pense, ah non, en vrai. Ah non, pas du tout. Ah non, vraiment. C'est vrai? Ah, je vous assure, oui. Ah non, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Ah non, bah là franchement... Mais Pascal, il y a des griffes qui sortent de la tête de Wolverine, bah, c'est énorme. Oh putain, attends-moi, j'arrive. Mais t'es battu contre des nazis. Et avant, j'avais battu contre des extraterrestres. Je comprends pas pourquoi ils veulent que je fasse ça. Ici, à la Maison des Héros, nous proposons plusieurs activités à nos pensionnaires, à savoir des activités de détente. Afin qu'ils puissent se décharger de la pression accumulée, car comme on le dit souvent, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais surtout, un grand repos. Ça va, Bruce? Oh, c'est juste que Bambi a perdu sa mère aussi, comme moi, et ça me rend mieux à chaque fois. On est aussi là pour utiliser leurs capacités, afin de leur donner une autre place au sein de la société. C'est bon, je viens de finir casser la cloison. Voilà, par exemple, là, c'est un exemple typique. Ça nous permet, en fait, d'agrandir le living à moindre frais, en somme. Et surtout, ça évite qu'il devienne complètement marteau. Mais qu'est-ce que tu veux, Giorgio? Je ne sais pas, je disais que s'il y avait encore un petit trou dans ton agenda... Peut-être pourrions-nous manger ensemble? Mais t'as pas compris. Toi et moi, c'est fini, Giorgio. Laisse-moi juste te parler une dernière fois. Nous sommes en pleine activité, découverte d'un autre rôle. On essaie vraiment de les projeter dans d'autres personnages, moins violents, plus français, quoi. Là, par exemple, nous sommes en train de jouer Mayhem, mon roi. Et l'idée, c'est après Batman versus Superman qui a engendré beaucoup de violence, de le faire aller vers d'autres sentiments. C'est fini, c'est puissant. Sincère. On n'a pas trop l'habitude de jouer des scènes comme ça, nous. Non, nous, c'est les scènes de fight. Baston. Mais depuis que je fais des activités avec Cédric et Flavien, je m'ouvre à d'autres choses. Par exemple, j'avais jamais dit je t'aime à quelqu'un. Je t'aime. Voilà, on en a fini avec le petit tour d'horizon. Hein, on espère que bah, ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur nos super-héros et leur petit tracas. Et en ce qui concerne le dernier étage. Plaît-il ? Le dernier étage, oui, je voulais savoir s'il était possible de le visiter. Non, parce que non, là, c'est vraiment des patients d'une autre envergure et nous pensons que la caméra n'est pas forcément un bon remède pour eux. De toute façon, on sert le repas à 18h30, ça va faire juste. Ouais, c'est sûr. Ouais. D'accord. Donc, du coup. On vous raccompagne à la grille ou... Ouais. Oui, parce que là. Oui. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on n'attend pas Patrick? Oh non, pas toi. Salut, ça farte? Oh non, pas ça. Débris, non, pas les touches. Débris, pas les touches. Débris, 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 débris.